CIMEN, c'est un projet qui vise la refonte complète du système d'information du ministère de l'Éducation nationale en vue d'une meilleure utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des politiques éducatives du gouvernement du Sénégal. Donc le CIMEN a été mis en place par monsieur le ministre de l'Éducation nationale en juillet 2016. Et le CIMEN est né d'un constat. Le ministère avait quelques applications, à savoir donc Mirador, FinPronet, StatEduc, Planète, etc. Mais des applications qui ne se parlaient pas. Donc, quand le ministre est venu, il a commencé d'abord par réformer Mirador, rendre Mirador beaucoup plus performant, beaucoup plus cohérent avec d'autres fonctionnalités de gestion des ressources humaines. Vu que les autres applications ne se parlaient pas, Mirador par exemple ne communiquait pas avec StatEduc, Mirador ne communiquait pas avec FinPronet, donc du coup il y avait des incohérences de données quand on quittait une application à l'autre. Il a demandé à ce qu'on mette en place un système d'information. Donc de là est né le CIMEN, qui a donc pour objectif de procéder à la refonte complète du système d'information du ministère de l'Éducation nationale. Tout ce qui est information statistique, tout ce qui est lié au système d'information est centralisé au niveau du CIMEN. Donc nous sommes le bras technique de toutes les directions du ministère. Ce qui a changé, c'est beaucoup de choses. Je prendrai l'exemple peut-être le plus pertinent qui est donc la gestion des examens professionnels. On a tous constaté qu'il y avait beaucoup de lenteur pour les candidats au CAP, au CAP. Le CIMEN a réussi à mettre en place une application qui permet de planifier les visites de classe, les visites donc des candidats, une application qui permet de remplir la fiche d'inspection pendant que l'inspection donc se fait, et automatiquement après l'examen, la fiche peut être générée. Automatiquement après. Une fois générée, elle est signée par les différentes parties prenantes. À savoir donc l'inspecteur qui est donc le chef de file, le directeur d'école et l'enseignant titulaire donc qui faisait partie de la commission. Une fois que tout ceci est fait, donc le courrier est la fiche est réintroduite dans une autre plateforme mise en place par le CIMEN. C'est la plateforme du courrier. Donc c'est cette plateforme là qui va se charger de l'acheminement du dossier électronique donc vers les structures centrales. Donc comme je l'ai dit, c'est un système d'information. Donc c'est beaucoup d'applications. C'est une continuité quand on quitte d'une application à l'autre. Nous sommes en phase de déploiement donc du CIMEN. Nous avons réussi à enrôler quelque chose comme 57 000 enseignants et personnel administratif, bien sûr. Nous comptons, en tout cas, enrôler tous les enseignants et tout le personnel administratif à la rentrée. Donc, nous pensons qu'avec une bonne campagne de communication, tous les enseignants vont s'inscrire
Et une fois qu'ils sont tous dans le système d'information, cela facilitera énormément les procédures. L'application a été déployée à Kaolack, dans toute l'académie de Kaolack. Je remercie au passage toute l'équipe de l'académie de Kaolack, aussi bien donc l'inspectrice d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, mais aussi les enseignants qui ont bien voulu nous accompagner donc dans le déploiement de cette nouvelle application. Ils l'ont testée et ils se sont rendus compte que les procédures sont simplifiées, que ça ne leur prend presque pas de temps, que tout pouvait se faire en un temps record. Et du coup, non seulement c'est moins de boulot, mais également ils auront l'occasion, ils auront donc la possibilité de voir le maximum de candidats en un temps réduit. Il n'y a pas que l'application qui gère les examens. Et à côté de l'application qui gère les examens, il y a une autre plateforme qui se charge de l'acheminement des dossiers. C'est une continuité en fait. Vous commencez par l'application qui gère Planète X, qui gère donc les examens. Donc, une fois que l'examen est fait, le dossier est transmis à qui de droit via une autre application, qui est donc l'application du courrier et de gestion électronique des documents. Cette application est utilisée également par l'ensemble de nos structures, ce qui fait qu'à tout moment, on saura à quel niveau se trouve le dossier. S'il y a des blocages, on saura exactement c'est à quel niveau. Et sur la base de ça, je pense que la procédure est vraiment simplifiée. Et si je prends l'exemple de Planète, qui est une plateforme de gestion complète des établissements, il y a StatEduc, qui est une plateforme statistique. Il y a Mirador, qui est une plateforme de gestion des ressources humaines. FinPronet, qui gère les finances du ministère. GPS, gestion des établissements privés du Sénégal, qui gère donc les établissements privés. Mais à côté de ça également, nous avons PETAO, qui est donc une plateforme dédiée au niveau central. Les agents du niveau central l'utilisent pour faciliter la gestion des dossiers des enseignants et du ministère de manière générale.